Voilà, à nouveau un boxeur du Venezuela. On va donc sans doute à nouveau entendre l'hymne très vénézuélien. Donc, l'honneur de Ouskategui. 8 victoires, 3 défaites, 4 nuls. National vénézuélien, vous connaissez? C'est assez long, Michael. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien. Il tente de se lever. On a déjà entendu tout à l'heure. Avec la version plus courte. Oui, je crois qu'ils l'ont mieux. Ils l'ont mis en 45 tours cette fois-ci. Ça m'a paru encore plus long que tout à l'heure. Ils ont... S'il y avait un troisième Vénézuélien, je pense que certains ici ne résisteraient pas. Oui.
de Brad Manson, a cappella, nous dit-on. Plus rapide que l'hymne vénézuélien. Allez, c'est parti pour 10 reprises. Ça ressemble cet adversaire, mais le veau physiquement irréprochable. Il le garde un peu bizarre. Concentré. S'observer un peu, c'est bien normal. On se jauge aussi déjà. À droite.
pour maintenir son adversaire à distance. Peu confus quand même ces premières reprises. Il n'y a pas de. Il se passe pas grand chose, mais non. Voilà, il s'observe. Il n'y a rien qui se dessine encore de manière tranchante. Le Vénézuélien n'a pas encore décroché un seul coup. Raison pour laquelle on pourrait donner la reprise à Antoine, parce que effectivement, il n'y a rien qui est sorti de ses gants hein, au Sud-Américain. Je pense qu'on peut donner un nul. Il n'y a pas un coup de parti. On va dire nul, et si vraiment on nous forçait, on dirait Vanaker. Il mérite d'allonger. C'est ça, c'est pour ça. À droite, et il a passé une gauche, une longue gauche. Alors que l'autre n'a rien tenté. Mais bon, c'est vrai que c'était plutôt en train de se tourner autour plutôt que de se rentrer dedans. On va voir ici ce que ça donne. On va démarrer. Ah. On n'avait pas encore entendu ce bruit là. On a quand même un léger avantage au niveau de la longe, non ? Comme d'habitude, hein. Voilà. 1m83 en super léger, il est souvent avantagé. Je ne pense pas qu'il a déjà rencontré un adversaire plus grand que lui. Ça s'anime un peu quand même, ça s'enhardit, donc... Vous m'enlevez le mot de la bouche. Voilà. Là maintenant, on va passer dans la case un petit peu plus offensive, voilà, de nouveau. Désolé, c'est pas mal. Ces attaques sont assez désordonnées, assez larges. Trop larges, parce que ça passe au-dessus, en dessous, à côté, partout, sauf dedans, mais... Voilà, il faut qu'Antoine fasse œuvre de précision. Voilà, là, il faut qu'il suive ses coups. Alors, j'ai la droite. Hein. En tout cas, par rapport à son compatriote, il est beaucoup plus sérieux. Là, il ramasse. Oula ! Ah oui ! Oh oui ! Il disait qu'il était plus sérieux dans le sens où il faisait moins de cinéma, mais là, il vient de se faire surprendre. Il vient de prendre un coup dans l'œil et il s'est arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Ah, et c'est fini.
Et c'est fini. Incroyable. L'entraîneur est monté sur le ring. Ah ben, c'est surprenant. Il avait l'air beaucoup plus sérieux, concentré que l'autre. Alors ça, j'ai jamais vu quand même un arbitre, un entraîneur qui monte sur le terrain au lieu de jeter l'éponge. Il a pris un coup de pouce dans l'œil. Ouais. Et évidemment, il s'est arrêté. Antoine n'allait pas non plus le regarder en disant, ben voilà, attends. Abandon à la deuxième reprise. Bon, ben c'est malheureux quand même que ça termine comme ça. Parce que, évidemment, un coup dans l'œil, c'est normal quand on est pauvre. Ah, c'est dommage. Un coup dans l'œil. Qui arrive en boxe, évidemment. Comme ça, de manière abrupte. En plus, l'entraîneur là est très bizarre, est monté sur le terrain, au lieu de jeter l'éponge. Très étonnant, enfin bon. Bref. Bon, on va rentrer aussi vite que prévu la maison. Oui, et donc il y a ce combat là à 5-6 heures du matin aux États-Unis entre Garcia et Davis, c'est bien. Visible sur une chaîne. Sur Wii Sport World. Wii Sport World. DAZN pour ceux qui sont abonnés, RMC pour ceux qui parfois ont des filons, mais vous, Sport World. La soirée débute à 2h du matin, donc le combat phare devrait être là vers 4h, 5h, quelque chose comme ça. Attends, alors on va voir une avant le combat. Là. Et donc, on va entériner le résultat quand même de manière officielle. Si ça a tourné un peu un autre boudin. Là, oui, c'est dommage pour tout le monde, oui, pour Antoine, pour tout le monde, oui. Évidemment, il n'a pas eu le temps de faire ses rounds. Toute la préparation. Pour l'entraîneur et pour les boxeurs sud-américains qui, jusqu'à présent, avaient quand même été loin de te faire valoir. Et là. Le boxeur numéro 11, KTI, a pris un coup en plein sur l'orbite oculaire et il n'était plus possible qu'il continue le combat. Par conséquent, est déclaré vainqueur par chaos technique dans la deuxième reprise et toujours champion. De remettre à Antoine ce qui lui revient au droit. Mesdames et messieurs, ceci clôture un superbe gala. En tout cas, j'espère que vous vous êtes amusés. Moi, je me suis amusé, donc tout le monde s'est amusé. Mais ce n'est pas fini, car après le gala, il y a la fête. Ah, la petite after, hein. Donc on se retrouve tous. Ah, on se réveille là, on se réveille. Allez hop. L'after, c'est là plus loin, au petit bar. Et il y a de tout, hein. Il y a du whisky, il y a du rhum, cigarette, joli pépé, enfin ce sera la totale. Bienvenue, on se retrouve à l'after. On espère que vous êtes bien amusés. Merci pour votre présence. Et naturellement, on espère vous revoir ici même au Temple de Charleroi pour plus de danse. Bonne soirée à tous et DJ. Faites-vous péter la musique et quelque chose de super. Faites-vous plaisir. Et ben voilà. Cher Manu, à la prochaine. Oui. Au revoir tout le monde. C'était très bien. Peut-être un petit peu la fin, mais. Voilà, c'est comme ça, on ne sait rien changer.
Et Van Acker n'y peut rien non plus. Mais voilà, on va rester là, on va se quitter sur cette image, en souhaitant une bonne fin de soirée, une bienvenue à tout le monde, et j'espère que vous avez apprécié ce moment en notre compagnie. Et on vous donne rendez-vous, bien sûr, ici ou ailleurs, au prochain gala de 12 rounds promotion. N'oubliez pas bientôt aussi le combat de Riyad Mehri, mais on aura l'occasion d'en reparler sur la page Facebook de 12 rounds promotion. À bientôt, au revoir tout le monde, et encore merci.